c'est parti pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est parti pour ce PSG-Barça que l'on espère historique. Pour cela, il faut que le PSG fasse tomber le monument. Ce jeune Paris Saint-Germain, et pourquoi pas. Rabiot avec Matuidi, Draxler. Rabiot, oui, qui peut lancer Matuidi. Matuidi à la surface, l'arrêt de Ter Stegen. C'est pas terminé, Di Maria, Rabiot. Ter Stegen, l'arrêt. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain d'ouvrir le score. Ah, c'était tout proche, oui, il enrage Blaise Matuidi. Neymar est en train de sortir en boitant le coup franc, but. L'ouverture du score. Di Maria. Angel Di Maria. La voilà la validation du très bon début de match du Paris Saint-Germain. Oui, il était en feu, Di Maria, depuis le début. Le Paris SG avec lui était en feu. Le PSG domine. Le PSG marque. Le PSG mène face au Barça. C'est mérité. Le PSG a fait une entame du feu de Dieu. Et ce but vient récompenser ses efforts, cette qualité technique. Et quel coup franc de Di Maria. C'était bien placé pour lui avec sa patte gauche. Ballon parfaitement enroulé. Ter Stegen n'esquisse qu'un petit pas. Il ne peut rien. Neymar. Avec Suarez, Neymar, oui, oui. C'est le seul qui apporte de la vitesse là pour l'instant dans le jeu barcelonais. Ça peut être suffisant. Il a donné à André Gomes. Non. L'arrêt. Arrêt de Kevin Trapp. Il n'a pas anticipé, c'est ce qu'il faut faire. Il a protégé l'axe. Hein. Et le contre-parisien maintenant, mené par Angel Di Maria avec Draxler qui appelle de l'autre côté. Le voilà servi, le jeune Allemand qui a peut-être pouvoir centrer sur Cavani, non? C'est trop tard maintenant. Oui. Il y va tout seul, c'est touché par Ter Stegen. C'est bien fait. Oui, Rabiot là sur Messi. Messi dépossédé du ballon. Ils sont à 5-6 maintenant les Parisiens à droite. Pour attaquer. Oui, à droite, Draxler. Oui. Draxler pour le 2-0. Servi par Marco Verratti. C'est Messi qui a perdu le ballon au milieu de terrain. C'est Barcelone qui est puni. Et non. Et c'est Paris, le PSG qui enivre le Parc des Princes. Le PSG qui mène, oui, 2-0 contre le Barça après 40 minutes de jeu. Énorme, énorme Verratti qui vient récupérer ce ballon plein axe. Hein. Fixer la défense, il avait vu Draxler sur la droite. Hein. Avec Draxler, Matuidi, oui, Kurzawa qui est venu apporter dans l'axe, Kurzawa qui va vite, qui va pouvoir gagner du terrain, donner ce ballon à Angel Di Maria. Oh, s'il voit à gauche, non, oui. Il va tout seul, oui. Le 3-0, Angel Di Maria, le doublé, 3-0 pour Paris, oui, on était plus proche du 3-0, et bien c'est fait maintenant, le Barça est débordé. Énorme, énorme Di Maria. Ah, il est beau ce but parce qu'on va le revoir. Cavani est très statique devant l'Argentin. Qui choisit d'aller tout seul. Qui choisit la finesse. Mais Daniel, il faudra repartir de la relance. De la relance sur le 5m50. Ouais. Parce que c'est ça le symbole de ce match. C'est que Trapp relance sur Rabiot entre Suarez et Messi. Lucas, bien joué face à Jordi Alba. Là, il va pouvoir progresser encore. Avec Meunier à ses côtés. Meunier, non, Lucas tout seul. Il a manqué sa frappe. Et surtout, il a oublié Thomas Meunier. Jordi Meunier, magnifique. Sur Neymar, hein, s'il vous plaît. Et Meunier qui peut poursuivre. Allez, derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres. Ballon au pied, il peut servir Cavani. Oui, ouais, magnifique. Il manquait plus que lui. Edinson Cavani après un exploit de Thomas Meunier. Monsieur a but par match. Edinson Cavani. Et le PSG est aux anges. 4-0. Exceptionnel. Et Cavani qui va célébrer de l'autre côté du terrain. Il faut qu'il garde un peu du tonus. Hein. Les Parisiens, le match n'est pas fini. Mais quel exploit, 4-0. Une action remarquable initiée par Thomas Meunier qui dribble au départ Neymar et ensuite va donner ce ballon dans la course pour Cavani qui, fidèle à lui-même, frappe sans contrôle. Voilà un Meunier qui se sort du marquage et ensuite accélère, va fixer Umtiti pour donner ce ballon parfaitement, le bon timing, le bon dosage, et Cavani frappe croisée.
Jordi Alba qui met en retrait Neymar. Et sa frappe qui part à côté du cadre. Rakitic pour le frapper, c'est frappé au deuxième poteau sur la tête de Gérard Piquet. Oh, c'est sur le poteau. Le poteau qui sauve les Parisiens, tout sourit aux Parisiens ce soir. Allez, il reste quelques secondes, attention. C'est terminé. Terminé sur une copie parfaite. Une équipe de Titi Parisien a donné la leçon au quintuple champion d'Europe. Le Barça, le grand Barça. Le Barça de la MSN. Messi, Suarez, Neymar qui n'ont rien pu faire face à de jeunes hommes parisiens. Une équipe qui pour plus de sa moitié qui est composée de gamins de 20 ans qui a mis 4 buts, un doublé de Di Maria, un but de Draxler, un but de Cavani. 4-0, Paris est presque qualifié pour les quarts.